Salut à tous, c'est Londonay, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Code 4. Donc comme vous voyez, voilà, j'ai eu Code 4. Mais vu que ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, donc j'ai pas pu vous le dire, voilà. Donc, je l'ai eu le jour de sa sortie. Enfin, le week-end, enfin, le, ouais, la semaine après le jour de sa... Enfin, il est sorti le vendredi et je l'ai eu lundi ou mardi, je crois, la semaine d'après. Donc j'y ai joué beaucoup au moins pendant un mois et là bah là j'ai un peu moins joué et surtout j'ai joué à GTA avec la team et puis FIFA aussi quelques fois, FIFA 17, donc voilà, mais je suis quand même niveau 38, voilà, donc encore 17 niveaux il me semble et puis je serai prestige 1. Donc je pense pas que je vais passer de prestige 4 ou 5, hein, mais voilà, déjà prestige 1 ce sera bien. On va essayer de déjà d'en passer un avant que le nouveau Call of sorte, parce que j'ai vu que j'ai beaucoup de jeux, j'ai tendance à pas finir. Enfin, je veux dire voilà, des Call of, en fait, voilà, j'y joue. Mais il y a des périodes où j'ai pas envie d'y jouer, voilà, c'est comme j'étais au FIFA, donc voilà, donc je suis pas sûr de passer beaucoup de prestige, que je suis pas hyper bon non plus, hein, donc voilà. Je voulais juste vous montrer les classes avant de vous dire le thème de cette vidéo. Donc j'ai débloqué toutes les armures. Donc moi j'ai pris guerrier, il y a mercenaire, synaptique, SLM, striker et fantôme. Donc guerrier, il y a un truc de malade, je sais pas comment il s'appelle, vous voyez en haut à droite, c'est une sorte de d'arbalète mitrailleuse, voilà, qui lance des rafales, donc c'est pas mal. Ouais, c'est griffes, voilà, ça ressemble à ça, et ça on s'en fout. Donc voilà, après j'ai débloqué toutes les têtes, après les corps, bah j'ai pas tout débloqué. Là il y a aussi des mouvements provoque pour les quand vous gagnez tout ça, donc il y a plein de petits trucs. Donc dans le menu, franchement, il est mieux celui de BO2 ou BO3, parce qu'on se retrouve, il y a des trucs qu'on s'y retrouve pas trop, qu'il y a beaucoup de trucs, oui, il y a trop de trucs pour s'y retrouver, donc voilà. Après ouais, il y a vraiment trop de trucs, hein. Quand on veut chercher, c'est un peu la pagaille, mais voilà, sinon il est bien. C'est pas le meilleur, mais franchement, et déjà je suis plus fort que sur BO3, hein. Vous inquiétez pas, on fera des lives et des vidéos dessus. Mais déjà on est plus fort, enfin moi et la team on est plus fort que, enfin je dis moi, mais ouais, avec la team aussi on est plus fort que sur BO3, donc il y aura des meilleurs gameplay. Mais aussi ça dépend des périodes, hein, aussi, hein. Des fois je suis moins fort, des fois je suis plus fort. Quand j'ai commencé le jeu j'étais fort, j'ai même commencé le snipe et je vous montrerai ma classe. Voilà, j'ai le snipe, j'ai presque fini. Donc c'est pour vous dire, hein, parce que sur BO3, quand je faisais un kilo snipe, j'étais content. Là, je fais souvent du 10-15 par game. Donc je suis un peu plus fort déjà que sur BO3. Et Nolan aussi, voilà. Et Tony commence à s'entraîner au snipe. Donc on pourra faire des bons gameplays. Mais là, du coup, là, je vous dis, c'est par période, parce que là, je descends un peu au niveau. Ça se dit pas, ben pff, voilà, enfin je suis moins fort au snipe que avant, donc voilà, c'est par période, ça va peut-être revenir, hein, j'espère bien sûr, et pour finir tous les snipes, et puis voilà, pourquoi pas aussi avoir l'armure en or, enfin le camouflage en or, pardon, pour les snipers. Donc alors je vais vous montrer mes classes. Alors bah déjà, j'ai la NV4, donc c'est une, comment dire, c'est un fusil d'assaut, voilà, c'est un fusil d'assaut, donc les prestiges max, donc le niveau, les prestiges c'est prestige 3 maximum, non prestige 4 pardon, maximum, non prestige 3, 1, 2, 3, ouais. Et quand vous débloquez un prestige, vous avez des plaques, des DOA et des crânes de démons, voilà, par arme. Après les camouflages, bon, j'ai débloqué lui en intervention, mais après voilà, je fais pas trop les camouflages, hein, franchement. Après j'ai le R34 qui est que niveau 2 seulement, hein, j'y joue pas trop avec. Après ma deuxième classe, j'ai la Karma 45, ça c'est une mitrailleuse en rafale, qui sur rafale franchement elle est très bien. Voilà, avec elle vous avez des bons réflexes, donc je vous la conseille, hein, pour arme rafale. Elle est prestige 1 niveau 8 comme vous voyez.
Donc j'ai mis les viseurs et tout ça. Après j'ai le EBR 800, c'est un sniper et donc il est que niveau 2 parce qu'en fait je l'aime pas trop. J'ai mis zoom ajustable avec, mais en fait je l'aime pas trop parce que en fait donc je vais mettre tireur d'élite, hein, c'est mieux. Donc je l'aime pas trop parce qu'en fait quand on tire, voilà, la stabilité elle est pas très bonne. Et pour l'instant j'ai pas débloqué la stabilité, d'ailleurs il y est pas. Ah, processeur balistique, c'est ça en fait. Ouais, donc je l'ai pas encore débloqué. Donc j'aurais débloqué au niveau 6, ouais, et qu'au niveau 2. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop. Après, l'HVR, je l'ai débloqué à l'avant-temps. C'est une mitrailleuse, il me semble. Hein. Ouais, une mitraillette. Elle est qu'au niveau 1 parce que je l'ai testé qu'une fois. Hein. Voilà, ça je l'ai pas testé. Après, j'ai le Widowmaker, je l'ai pas encore testé. Hein, et toujours au niveau 1. Oni non plus, c'est les deux armes que j'ai eu, deux armes nouvelles, donc je testerai. D'ailleurs ça je vais mettre ça, voilà, sur l'élite pour le snipe c'est meilleur. Et puis voilà mon arme, donc là j'ai leur 3-4 en arme secondaire au cas où. Et du coup j'ai mis tireur d'élite pour mon sniper. Et mon préféré sniper, voilà, pour l'instant c'est le KBS. Voilà, le KBS il est magnifique, que je trouve. J'ai mis zoom ajustable, poignée ergonomique, poignée avant. Aussi j'avais mis processeur balistique quand j'avais passé les prestiges, balle chemisée aussi, c'est en gros balle blindée. Donc c'est franchement pas mal. Après le camouflage, bah j'en ai bloqué un dans les bonus, hein. Franchement il tue sa mère. Après il y a le vert, mais voilà, je voulais pas trop. En plus ça fait dégueulasse, mais je voulais pas trop copier sur la NV4. Là je suis en train de débloquer, d'essayer de débloquer les camouflages. Donc pour avoir en or, faut débloquer tous les autres camouflages. Donc là c'est pour faire des headshots. Donc là j'ai fait 200, plus de 200 éliminations avec ce sniper, donc franchement je suis content parce que franchement je pensais pas que j'allais arriver à faire 200 kills avec ce sniper, parce que sur BO3 j'ai dû faire peut-être 10 kills au snipe, donc voilà. Et là pour débloquer ce camouflage il faut faire 20 tirs, enfin 20 shots. Pour l'instant j'en ai fait 15 dans toutes les parties que j'ai fait, mais c'est assez chaud, hein, bien sûr. Et donc voilà, et puis après ben là ça faut faire 161 shots, par contre ça c'est plus dur pour avoir le zèbre. Et puis après ça se débloque au fur et à mesure, hein, après. Bah après diamant, solaire et tout ça, bon ça va être un peu chaud, hein, mais bon. Donc accessoires, j'ai les prestiges 2 parce que vous voyez bien j'ai la DOA, donc il me manque encore un prestige, j'aurai le crâne de démon. Donc déjà je suis hyper content de passer 2 prestiges avec un sniper, hein, déjà. Et ouais, donc prestige 2 niveau 5. Donc voilà, presque encore 6 niveaux, encore 7 niveaux, il sera prestige 3. Donc prestige max. Et puis voilà, ça fera plaisir quand il sera au max, hein, ce sniper. Franchement, je trouve que c'est le meilleur pour l'instant. Après, j'ai pas testé tous les autres, mais il y en a un autre aussi pas mal. Ouais, le. Non, c'est pas lui. Ouais, bah lui, je l'ai testé, mais d'être pas mal. Et lui aussi. Et après, il y a. Ouais, lui aussi. Le TF-141. Tu débloques avec un jeton d'arme classique quand tu es prestige 1, donc voilà, je verrai bien quand je serai prestige 1. Pourtant j'y suis pas encore, mais voilà, franchement ça peut être pas mal. Du coup on va faire 5 minutes de pack opening. Voilà, je vous ai un peu montré mes classes et tout ça. Je suis unité d'intervention Wolverine, voilà. J'ai fait pas mal de missions. Ouais, quand t'as des missions tu remportes des XP et tout ça, donc voilà. Et puis là vous voyez j'ai 259 clés. Donc franchement c'est pas mal pour le marché. Bah c'est la caserne quoi, c'est le marché. Non, c'est quartier maître, pardon. Quartier maître pour les coffres, ravitaillement. Et aussi vous pouvez utiliser les clés pour dans le mode zombie, donc ça c'est pas mal aussi. Et en plus les clés t'aurais gagné au moins 2 ou 3 par game, donc c'est bien, tu vois assez vite. Donc vous voyez, j'ai fait à peu près 100 games, hein, à peu près. Niveau 38, hein, des bons prestiges sur les armes. Donc franchement, pour l'instant, ça va. C'est pas mal. Et ce week-end, on fera peut-être un live sur Code 4, je pense. Soit sur le Twitch à Tony, ou soit sur YouTube, mon YouTube à moi. On verra bien. Voilà. Donc on va faire pack opening, un peu. Donc on va faire ravitaillement rare, hein, tant qu'à faire. Donc acheter avec des clés. Voilà, comme ça on va voir un peu comme ça, c'est la première fois que je le fais, donc je regarde avec vous. Donc encore ça. Ah, j'ai débloqué un camouflage apparemment. En plus les rares, ouais. Un camouflage, une tête, striker tête. Mais je crois que j'ai. Ouais. Et double chaîne, carouane, une carte d'agent. Plus matériau bonus, plus 100. Par contre, ça, je sais pas ce que ça sert les écrous là. Donc ouais, j'ai débloqué. Donc. Irad Cerber, ouais, donc c'est le camouflage mitraillette. Passe-partout, stabilité. Ah, stabilité, ça va être bien.
Donc, acheter avec des clés. Je vais en faire, je pense que jusque 100, enfin on verra bien au temps de la vidéo, mais... Ah! Oh oui, c'est bon ça! J'ai débloqué un camouflage sur le long, sur le KBS. Oh, c'est bon, bah je le testerai après. Pour voir si c'est, ça fait stylé. Parce que le mini commence à être un peu pourri. Après, camouflage sur fusil mitrailleur. Ah oh, bah c'est bien. Ah, j'ai deux rares en plus. Et après, camouflage sur fusil de combat fibre. Donc ça, c'est pas mal aussi. Tac. Alors... Un rare. Ouh, deux standards et un rare. Donc un camouflage sur le fusil de combat et raflure. Ah, après un camouflage sur Avaris. Enfin sur Volk. Franchement cette arme a l'air d'être pas mal, ce fusil d'assaut là, parce qu'en fait j'ai testé. Enfin, je l'ai pas testé mais je crois qu'il fait des tirs bleus déjà, donc c'est assez stylé. Et puis même on dirait qu'il est un peu cheaté, enfin il tire bien et tout ça, donc à tester hein, bien sûr, mais d'après ce que je vois et tout ça, d'après les games. Il est vraiment pas mal, hein, parce qu'en plus je me fais tout le temps tirer dessus par lui et tout ça. Donc voilà, et après une carte d'agent Home Sweet Home, hein, ça on s'en bat les... on s'en bat un peu les steaks, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, une légendaire! Alors, une carte légendaire, chantier naval. Donc ça peut, on dirait un peu Star Wars, ça fait stylé. Ah, je crois que c'est un camouflage sur la NV4, fusil d'assaut, exalté, ouais. Et après un emblème en Encelade, hein, sur les emblèmes, on s'en fout. Et du coup ça va vite là par contre les clés, hein, parce que c'est quand même 30. Alors, fusil de combat inébranlable, ça améliore la stabilité. Après, camouflage sur le lanceur et rafleur, bon le lanceur on s'en fout un peu. Camouflage mitraillette, psychédélique, oh ça a des stylés ça, je regarderai après. Sur, ouais c'est une mitraillette, je regarderai après. Allez, une dernière, parce que franchement c'est cher, je pensais pas que t'allais aussi cher. Oh, un emblème rare. Il est stylé. Oh, le camouflage, il est magnifique. Il est magnifique. Et après un camouflage au lanceur rose tactique, ouais. Il est magnifique. Donc c'est sur quoi? Sur la RPR Evo, ouais, je regarderai. Donc, du coup, il me reste plus que 79 clés, hein, ça part vite les gars. Je vous le dis. Donc alors, ah voilà. Donc camouflage. J'en ai débloqué un, non? Quartier maître, voilà. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, bonus. Non, c'est pas lui. Ma merde. Ah oui, j'ai débloqué une nouvelle arme. Ah oh oui, j'ai débloqué. Ah, j'ai débloqué un camouflage, ouais. Mais je peux pas encore l'avoir. Oh, j'ai débloqué une nouvelle arme. Non, ah non, un cam... Ouais, pardon. Un... Oh, oh, il est stylé. Mais non, non, non. Par contre, je laisse lui. Attendez. Ah ouais, c'est comme un autre camouflage, ok. De toute façon, moi. Ouais, de toute façon, je vais. Attends, je vais laisser mes trucs. Voilà. Après celui-là. Bon, il n'y en a qu'un seul. Mitrailleuse. Tain, il a... Oh, il est magnifique celui-là. Mais lui, il a l'air trop stylé. Hein. Je pense que je vais mettre lui. Hein. Allez, je vais mettre lui. Il a tué sa mère. Ah. Un nouveau truc pour ça. Fils précision. Oh là 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 là. Il a de. Ouais. Il fait mal, en plus c'est un rare, donc je vais le mettre je pense. Ah ouais ça change, ah ouais c'est ça les fusils de combat. Oh il est stylé lui. Ah ça a de tuer. Je vais essayer tiens. Ça pourrait être pas mal. Attaque. Et après du coup bah le KBS hein, je vais le changer bien sûr. Voilà rare. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Ah j'ai débloqué un. C'est vrai. Une nouvelle tête, non? Ah non, c'est pour Striker, ouais. Et par contre, je trouve la tête, elle est assez stylée, là, Mars, là. Tuer 3 ennemis sans mourir en utilisant l'armure. Elle est pas mal, ouais, elle est pas mal du tout. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Vous inquiétez pas, j'en referai d'autres. Mais faut que déjà j'économise pour les clés, hein, déjà. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis voilà, ben. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Je devrais regarder un truc, mais. Non, c'est bon, en fait, je crois. Ouais, c'est bon. Et aussi dites-moi si mon micro il va mieux ou pas, enfin je sais pas si s'il est mieux, donc dites-moi que j'en ai eu un, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Ouais aussi deux petites choses. Première chose, hier j'ai pas pu faire de vidéo, désolé parce qu'en fait voilà je voulais faire une vidéo avec Tony. Parce que je vous dis que Nolan est toujours puni. Antoine n'était pas co. Et je voulais faire une vidéo avec Tony mais en fait voilà hier il a je sais pas le mercredi n'aime pas Tony.
Ouais, les mercredis, il déteste Sony. C'est pas son jour, quoi. En fait, il a bugué à mort. Et voilà, pour faire la vidéo, du coup, ça allait être chiant. Parce qu'en fait, dès que j'en ai ma partie vocale, et bah, il quittait tout le temps. Parce qu'il y avait un bug de connexion. Donc voilà, pour faire la vidéo, ce serait pas sympa du tout pour vous, je pense. Et pour nous aussi. Qu'il rejoint tous les 2 secondes. Voilà, il quitte et rejoint tous les 2 secondes. Donc ça aurait pas été sympa. Donc voilà, et puis du coup bah je fais cette vidéo aujourd'hui tout seul. Et puis ben bah, je vous dis un week-end peut-être un live sur Code 4 hein, pourquoi pas. Je te demanderai à la team. Puis voilà, on fera un petit live sympa. Donc voilà, et deuxième chose, petite info, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui rejoindra la team en décembre, voilà, à Noël. Une ou deux personnes, voilà. Donc je vous dis pas qui. Si c'est une fille, si c'est un garçon, si c'est autre, non je déconne. Si c'est une fille ou un garçon, ouais, je vous dis rien. Mais voilà, il y a une ou deux personnes qui pourraient rejoindre la team, une personne je pense, qui pourrait rejoindre la team. Donc je ne vous en dis pas plus. Surprise à Noël, hein, quand on fera la vidéo Noël. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à être actif surtout hein, s'il vous plaît, à être actif, c'est ce que je demande le plus. Et voilà, bah, c'était Londonay. On se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt, 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 je vous dis. Allez, ciao!